Ah mais qu'est-ce qui se passe là? Écoute là, elle veut plus que je rentre. Comment ça, elle veut plus que tu rentres dans sa chambre? Non mais il faut aller voir. Non mais vous rentrez pas en fait, ici c'est la chambre de la star. Moi et ma team, on est dans le game ensemble. Tu vas faire quoi? On est sur toutes les trends. On est les queens. Non mais bougez en fait, c'est la chambre de la star. Ok, on bouge. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon vas-y, attends. Viens. Non mais qu'est-ce qui se passe là? Elle est en train de... Ouais, non mais... Elle est en train de péter un câble là, c'est pas possible. Bah, depuis qu'elle se met à chanter, elle a pris la grosse tête. Non mais qu'est-ce qui se passe là? Alors là, je la reconnais. Bon, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si on va être content de la faire parce que comme vous voyez, la situation est trop bizarre. Et en gros, ça fait... Tu dirais que ça fait combien de temps? Ça fait 2 heures que Lily Rose veut même plus nous parler. Au moins. Là, à chaque fois qu'on essaye de rentrer dans sa chambre, elle dit « Ah non, rentrez pas, venez pas chez la star, maintenant je suis une star, laissez-moi tranquille » et elle continue à chanter. Et je reconnais même plus ses fringues. Non, mais le pire, c'est que j'ai l'impression que c'est plus Lily Rose, elle a totalement changé. C'est même plus ses habits, c'est pas ses lunettes, c'est pas sa coiffure, on a l'impression qu'elle était remplacée par quelqu'un d'autre. Et puis sa voix, je sais pas, elle est pas pareille. Elle est pas pareille. Bon, ça suffit. Quoi coupé? Quoi coupé? Voilà les 2010 vont encore débarquer. Mais vous, vous allez faire quoi? Bah vous allez bouger. Arrête d'attraper la caméra comme ça. Non, vas-y, allume la lumière là, ça suffit. Non, qui vous a permis d'allumer la lumière là? Non mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a... Vous voyez pas que je suis en train de faire mon concert privé? Tu t'es cru dans une discothèque ou quoi ici? Privé, il y a personne à part nous. Tu fais pas un concert privé là, il y a personne en face de toi. Je m'entraîne. Là t'es en train de te faire un délire à toi toute seule. Bah alors en fait. D'ailleurs, tu vas nous expliquer c'est quoi ces vêtements là? D'où ça vient le petit manteau? C'est ma nouvelle tenue de star. C'est quoi? C'est même cette coiffure là? Mais c'est ma nouvelle tenue de star en fait. J'ai vu comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, écoute, vas-y, reste dans ton délire si tu veux, mais arrête de crier, tu déranges tout le monde. Je dérange personne à part vous, en fait. Surtout les voisins vont entendre. Surtout que tu chantes très mal, là, je sais pas, là, faire la star. Bah, si tu chantes vraiment comme ça pendant un concert, bah, je peux te faire croire que ça va pas le faire du tout. Alors, regardez, qui est venu nous rendre visite? Les chats. Les chats qui montent la garde. Comme par hasard, ils montent la garde devant la chambre de la star. Bon, écoute, attends. Ça, oh punaise, j'ai failli tomber. J'ai raté une marche. Bon, attends, viens, je dois te parler d'un truc. Bon, là, on a rigolé, mais faudrait pas trop rire. Viens, on se retrouve au sous-sol. Je vais te parler d'un truc. Parce que là, les amis, il faut que je vous avoue quelque chose. Et je crains que ce qui est en train de se passer, ça soit ça. En gros, Lily Rose, là, on la reconnaît pas du tout. On dirait que c'est pas la vraie. Et justement, c'est peut-être pas la vraie. Enfin, en tout cas, je vais vous expliquer. Moi, je suis d'accord avec toi parce que je ne reconnais plus Lily Rose. Tu te souviens de la sœur jumelle de Lily Rose? Oui. La sœur jumelle. Maintenant que t'en parles. Parce que pour ceux qui savent pas, enfin pour ceux qui ont raté certaines vidéos, en gros Lily Rose a une sœur jumelle, donc elle se ressemble beaucoup, c'est quasiment les mêmes personnes, elles se ressemblent beaucoup, sauf que la sœur jumelle de Lily Rose, on la montre jamais en vidéo parce qu'elle est insupportable, elle fait plein de bêtises tout ça, et en fait le rêve de la sœur jumelle de Lily Rose, c'est de remplacer Lily Rose pour toujours en fait. Et du coup là je me dis, ça tombe, la vraie Lily Rose elle est partie d'ici. Je sais pas, elle s'est enfuie ou elle a eu peur parce qu'aujourd'hui comme par hasard c'est Halloween, donc ça tombe, elle a eu peur et du coup c'est la sœur jumelle qui a pris la place de la vraie Lily Rose quoi. Elle est peut-être partie avec des amis, tu sais Lily, pour faire Halloween. Non, mais... Ou peut-être qu'elle a fugué, je sais pas, enfin bref, j'espère pas parce que ça c'est très très grave, donc j'espère qu'elle a pas fait ça. Parce que là vraiment ça nous mettrait énormément en colère. Bon, il faut essayer de la coincer, il faut essayer de la piéger pour voir si c'est la fausse Lily Rose ou pas. Attends, j'ai une idée. En fait, il faut la voir sans ses lunettes de soleil et il faut essayer d'entendre sa vraie voix parce que la sœur jumelle, elle a pas la même voix que Lily Rose. Attendez, j'ai une idée. Attendez, on va prendre ça. Attends, on prend celui-là. Attends, non, c'est lui. Voilà, on va prendre celui-là. Vas-y, prends le cadre. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est le... Oh, attends, tu vas te calmer. Moi et ma team, on est dans le game. Attends. Tu vas faire quoi? On est sur toutes les traînes. On est les queens des 2010. Poppy dans le sac, de oui. Qu'est-ce qu'il y a? On a qu'à faire semblant que c'est la vraie Lily Rose. Non, c'est pas ça. Alors, regardez les amis, là, on a le disque d'or de Poppy Mania.
Ouais, donc c'est une récompense qu'on nous a donnée pour... parce que Popitmania, ça a très très bien marché comme musique. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire croire à la fosse qu'elle a reçu ça, tu vois. Oui, elle le sait même pas. Donc... Parce que si c'est la sœur jumelle, si c'est la fosse Lily Rose, elle est pas au courant qu'on a reçu le disque d'or. Et comme elle se prend pour une star, elle va dire « Ah, merci, vous pouvez partir, etc. » Merde, ça a été remis, ça a été donné à Pink Lily, c'est écrit. Donc vas-y. Alors que la vraie Lily Rose, évidemment, elle est au courant qu'elle a reçu le disque d'or. Lily Rose. Une surprise pour toi. Lily Rose. Une surprise. A big surprise for the star. Oh my god, thank you very much. A big surprise to the star. To the big star. Oh my god, thank you. What is a surprise? Voilà, regardez. Enlève tes lunettes. En exclusivité. Alors si on enlève les lunettes parce qu'on va faire des photos, tout ça. En exclusivité, in exclusivity in YouTube, in the YouTube page Pink Lily Video. YouTube Gamer. Le trophée, le disque d'or pour Popitmania, ta musique la plus connue. Oh my god, oh, il est magnifique. C'est la merci première beaucoup fois que tu le vois. Alors tu l'avais, j'espère que tu l'avais pas vu encore. Oh non, je l'avais jamais vu, il est trop beau. Oh, je peux l'accrocher dans ma chambre s'il vous plaît. Oui, tu peux l'accrocher dans la chambre. Attends. Il est magnifique, merci. Wouh, je méritais tout ça, je le savais. Bon, par contre, là, il faut qu'on parle de choses sérieuses. La vraie Lily Rose est au courant qu'elle a reçu le disque. Bah, c'est moi la vraie Lily Rose, donc ça fait un mois qu'on l'a et qu'il est accroché chez nous. Oui, bien sûr. Si. Et on te l'a donné il y a un mois. Tu l'as fait tomber. Non, mais c'est sûr que t'es pas la vraie Lily Rose. Non, mais vous comprenez pas. Moi, je vais être une star depuis. Non. Depuis mon jeune âge. Et vous m'empêchez d'être une star. On sait que t'es la sœur jumelle de Lily Rose. La sœur jumelle. T'as reconnu. Mais j'ai pas de sœur jumelle, moi. Ouais, bien sûr. On t'a déjà vu dans plein de vidéos. Même les abonnés savent que Lily Rose a une sœur jumelle et qu'on la montre jamais. Ça sert à rien d'essayer de prendre sa place. Tu chantes beaucoup plus mal qu'elle et t'es pas une star. Ah non, mais ça sert à rien. À chaque fois, vous me démasquez. Bah oui, en même temps, t'es bête ou quoi? Elle a reçu le disque d'or il y a un mois. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Au lieu de me demander tranquillement, là. Au lieu de demander à Lily Rose gentiment et de dire, ah, vu que maintenant je suis gentil, je peux faire un concert à ta place, je peux faire un concert avec toi. Non, rien du tout. D'ailleurs, si c'était vraiment la Lily Rose, elle connaîtrait toutes les musiques de son album. Vas-y, donne toutes les musiques. Liberty. Oui. Popitmania. Oui. Birthday. Kwakubé. Faire de mon mieux. Dans ma bulle. La ride. Bon, ça prouve rien du tout. C'est pas parce que tu les connais toutes que c'est toi. T'as très bien pu acheter l'album et toutes les écouter. Bon, écoute. Faut imiter Lily Rose en plus. Bah, ouais. C'est moi Lily Rose, vous comprenez pas en fait. Bon, écoute. Lily Rose porterait pas des vêtements ridicules comme ça. Bon, je te rappelle que je l'ai trouvé dans ta garde-robe. Maintenant, tu peux partir. Allez, et reprends ton micro ridicule qui est même pas branché. De quoi il est pas branché? C'est un truc de la nouvelle génération. Oui, bien sûr, nouvelle génération. Allez, c'est bon, tu peux partir. Génération 2010, allez. Allez, c'est parti. Tu peux partir. Et d'ailleurs, je sais pas. J'emporte mon chat parce que s'il est à moi. D'ailleurs, tu peux me dire où est passée la vraie Lily Rose au passage? Parce que comme t'es extrêmement méchant, je suppose que c'est toi qui l'as virée. Et attention, on te parle. Bah elle est pas là, voilà, elle est partie en soirée, voilà. Ouais, elle est partie en soirée, bien sûr. Lily Rose qui part en soirée à 13 ans. Bon, pour ceux qui savent pas, elle s'appelle Lila Rose. Et c'est la jumelle maléfique de Lily Rose, du coup. Bon, Lila, encore. Dis-moi où est Lily. Mais je te l'ai déjà dit, elle est en soirée avec des amis. Mais bien sûr, elle est partie en soirée, n'importe quoi. Bon, j'espère que tu... Et c'est elle qui m'a virée de la maison. J'espère que t'as rien fait de mal, parce que sinon... On va te rappeler. Donc là, rentre chez ta mère, ok? Et ça me fait pas rire. Tu vas rentrer chez ta mère et tu vas nous laisser tranquille. Bon, oui, parce que pour ceux qui savent pas, Lila Rose habite avec Mama Pink, du coup. Alors, on veut pas qu'elle habite ici parce qu'elle fait énormément de problèmes et elle vient vraiment de temps en temps quand on l'invite parce que sinon c'est une catastrophe. Elle passe leur temps à se disputer, Lily Rose et Lila Rose. Bon, allez, c'est parti. Non mais allez, je te conseille d'aller dans la voiture au plus vite. Au moins le chat il m'aime. Oui bah le chat il aime tout le monde. Allez, c'est pas le bon, allez. Oh. Bon les amis, en tout cas j'espère que la sœur jumelle ne reviendra pas de sitôt. Et j'espère surtout qu'on va retrouver la vraie Lily Rose. Parce que pour le coup on a un vrai concert chez un abonné demain. Enfin bref, il faut pas le rater. Il faut qu'elle s'entraîne pour chanter un peu mieux que cette tenue de star.
que cette Lily Rose. En tout cas, si vous voulez écouter l'album de la vraie, de l'authentique Pink Lily, Lily Rose, vous pouvez aller l'acheter sur notre site ou en magasin. Je crois qu'il en reste en magasin. Bubblegum de Pink Lily. Sinon, on se retrouve tout de suite sur une autre vidéo où vous pouvez cliquer juste ici, maintenant. Et on se dit à la prochaine ou à tout de suite. Ciao, ciao, ciao. Les bonbons, un sort.